Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne. Cliquez pour gagner. Comment vous allez? Je suis allé très bien. Alors, aujourd'hui, on va casser certains papous. Oui, on va casser certains papous. Oui, parce que trop, c'est trop. On n'a qu'à se dire les vérités. Bon, ceux qui ne vont pas aimer, excusez-moi, hein, mais il faut dire ça par moment. Après, chacun a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. Moi, je parle de mon expérience. Je parle de, voilà. Du peu que je connais, hein, après, à chacun de décider de ce qu'il veut faire. Alors, récemment, nous avons décidé d'ouvrir notre plateforme pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire une collaboration ou être en partenariat avec l'équipe pour gagner. Hein, donc, regardez cette vidéo-là, hein, vous allez comprendre mieux. Je serai disponible, j'ai un manager maintenant, je serai disponible pour des conférences en ligne ou ou physique. Et nous allons disponibiliser aussi de certains espaces sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, etc., pour des entreprises, voilà, etc. Donc, écrivez juste un mail sur cliquez pour gagner 456@gmail.com. Depuis qu'on a lancé cette vidéo, il y a de cela une journée, on a déjà une dizaine de mails de propositions des personnes qui souhaiteraient travailler avec nous, des personnes qui souhaiteraient collaborer, etc. Donc, toi aussi qui regardes cette vidéo, tu peux toutefois. Et nous allons peut-être avec le temps, je dis entre griffes, ouvrir une boutique en ligne, des vêtements cliqués pour gagner, etc. Donc, vraiment, ça va prendre une autre ampleur. Et je compte beaucoup sur vous pour soutenir cette initiative. Alors, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Nous allons parler des shitcoins. D'abord, je vais laisser l'email pour être, voilà, un de nos collaborateurs, de notre partenaire. Donc, je laisse l'email et aussi les liens de mes réseaux sociaux. Voilà, ici, on est 13 000 personnes. C'est interdit de poster les liens ou de dire vous vendez des crypto-monnaies sur notre vendeur certifié ou de faire autre bêtise qui enfreint aux lois de ce groupe. Alors, aujourd'hui, nous allons voir que le Bitcoin, ça va de mal en pire, moins 7% en 7 jours. Donc, voilà, le Bitcoin qui était à 60 000 se retrouve à 30 000. C'est bon. Je vais vous expliquer pourquoi pour moi, moi je souhaiterais même que ça descende encore bien. Parce que plus elle descend, plus elle évacue ce qu'on appelle les shitcoins. Alors nous allons parler des shitcoins. C'est quoi un shitcoin selon vous? Regardez, d'abord en définition basique, lisez d'abord. Définition basique. Le terme shitcoin est utilisé au milieu, est utilisé dans le milieu de la crypto-monnaie pour définir de la manière familière, voilà, l'ensemble des monnaies de mauvaise qualité. Oui, ça dit que il y a la bonne qualité, il y a la mauvaise qualité. C'est ça que vous devez comprendre d'abord. Les investisseurs vont ainsi souvent avoir recours au mot shitcoin pour parler d'une monnaie qui, voilà, en gros, shit, c'est la merde. Donc une monnaie de merde. En résumé, une monnaie de merde. Donc je vais laisser aussi cet article aussi en bas pour que vous puissiez comprendre. Lisez cet article, vous allez comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais casser les papos aujourd'hui? Je vais casser les papos aujourd'hui. Pourquoi je vais casser les papos aujourd'hui? Vous devez comprendre aujourd'hui que toute crypto-monnaie est crypto-monnaie quand elle a une blockchain et un protocole. Elle est devenue crypto-monnaie. Maintenant, reste à savoir si cette crypto-monnaie est une monnaie sérieuse de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe? Depuis un temps, il y a un fléau vraiment pas possible. Je vous dis, pas possible. C'est vrai, les shitcoins sont indirectement, pour ne pas dire directement, sont indirectement des arnaques. Je vous dis, c'est l'arnaque 2.0. Tu peux gagner de l'argent dedans, comme les plafonds d'investissement. Je peux dire, c'est les plafonds d'investissement 2.0 maintenant. Parce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui se créent, elles n'ont même pas un site internet. Je vous assure, même pas un site internet. Allez dans Trust Wallet. Oh, on va dire ajouter smart contract. Tu vas voir telle crypto-monnaie. Tu vas voir, il y a crypto-monnaie de tout. Je dis bien crypto-monnaie de tout. Crypto-monnaie, les gens qui disent que non, c'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Et la plupart, c'est nos frères africains encore qui tombent dedans. Et je vous dis la stratégie de ces shitcoins-là. Ces crypto-monnaies de merde, de mauvaise qualité, qui pullulent le monde cryptographique. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais créer une crypto-monnaie. C'est un token sur la blockchain de Tron, Ethereum, ou voilà. Je n'ai pas encore essayé sur la blockchain de comment appelle-t-on? De Smart Chain, mais ça ne doit pas être compliqué. Et quand
quand les gens l'ont créé directement, on vous envoie ce smart contract. Ils commencent par investir dans le marketing directement. C'est-à-dire qu'il y a certaines crypto-monnaies qui se lancent, elles n'ont même pas un site internet. Les investisseurs ne savent même pas si cette crypto-monnaie a un site internet. Ils courent pour acheter parce que ces shitcoins ont une stratégie. La seule stratégie, c'est quoi? Investir dans le marketing et investir lourd dans le marketing. Chercher des influenceurs pour faire la promotion de la crypto. Vous savez, les youtubeurs font des vidéos un peu partout. Ah oui, telle crypto-monnaie, telle crypto-monnaie, telle crypto-monnaie, telle crypto-monnaie. Quand vous fouillez là, vous allez, il y a certains qui n'ont même pas un site internet. Je vous assure. Toi qui regardes cette vidéo là, regarde dans le projet dans lequel tu as investi. Regarde si ce projet a un site internet. Ce n'est pas parce que tu as ajouté ça dans trois toilettes, dans ton toilette, que c'est fini. Tu vas acheter. Et les premières des choses qu'il faut maintenant, c'est d'être listé sur les échangeurs. Deuxième point. Donc, non, d'abord, ce n'est même pas un premier point même. Ça, c'est l'aspect. Maintenant, rentrer dans le corps du devoir. Ça, c'est l'introduction. Ces shitcoins ont des stratégies. Ils investissent dans le marketing. Lourd. Ensuite, ils font quoi? Quand ils créent leur token là, ils créent des milliards. C'est-à-dire que les zéros qui sont avant ça là, c'est des zéros pas possibles. Des zéros. C'est-à-dire que 0,00000001. Et la quantité de ces shitcoins sont même milliards là même, c'est peu. 150 000, je ne sais même pas comment je vais dire ça. C'est que la quantité de ces gens de shitcoins là, c'est tellement beaucoup sur le marché. Et le prix là, ça ne vaut rien. Et les gens en courent maintenant dans le système marketing, surtout les Africains, excusez-moi vraiment le terme, ils disent, si tu achètes cette crypto-monnaie là, si tu achètes peut-être, je donne l'exemple, 20 milliards de cette crypto-monnaie à 20 $, imagine-toi un jour une de ces crypto-monnaies à 1 franc. Ou à 1 $. Donc, on fait rêver indirectement les innocents, excusez-moi le terme. Les gens qui ne savent pas faire des analyses approfondies des crypto-monnaies, on les fait rêver comme cela. Que si tu achètes juste, tu mets seulement 20 $, tu auras 20 milliards, ou bien tu auras, c'est pas moi, 30 milliards, 40 milliards de cette crypto-monnaie. Imagine-toi si ça va à 1 $. Donc, on commence, deuxième point. Donc, ils créent des quantités énormes. Après avoir investi dans le marketing, lors de leur création, deuxième point, ils créent des quantités énormes de cette crypto-monnaie à des prix pas possibles pour vous faire croire indirectement ou directement que si ça montait à 1 franc CFA, à 1 dollar, tu auras des milliards de dollars. Deuxième point. Troisième point, il y a certains shitcoins qui vont plus loin. Plus loin. Elles ont un site internet. Elles vont se lister sur des grands échangeurs comme Binance. Il y a des shitcoins sur Binance. Hein. Attention! Ce n'est pas parce que une crypto-monnaie est listée sur Binance ou KuCoin ou je ne sais pas quel grand échangeur que ce n'est pas un shitcoin. Attention, il y a certains, c'est le troisième point, il y a certains qui se trompent. Ah non, la crypto-monnaie là, elle est sur Binance. Vous savez, Binance peut déslister une crypto-monnaie à tout moment. On a vu Binance désister qui compte déslister des crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'il y a certains projets qui naissent étant shitcoin et après devient des projets solides, fiables. Ça existe. Mais il y a certains projets qui naissent shitcoin et finissent shitcoin. C'est-à-dire que vous devez comprendre qu'un shitcoin, ce n'est pas quand tu mets ton argent là, quand tu mets ton argent dans ce genre de trucs, il faut savoir sortir vite. C'est tout. Mais souvent, on ne vous dit pas ça. Ne holdez pas trop les shitcoins. Des projets sans innovation, de mauvaise qualité, où on ne connaît même pas la compétence de l'équipe. On ne sait même pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est tout le monde, même mon enfant, même de 5 ans, je peux le créer tout à l'heure une crypto-monnaie, un shitcoin. Je lis sur PancakeSwap rapidement. Je vois 2-3 personnes qui font un marketing agressif. Ils créent un groupe. Et automatiquement, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ajoutent dans ce groupe-là. Ils commencent à faire la promotion de ces shitcoins-là. Vous vous courez, vous dites, ah oui, je vais mettre 10 $ simplement. Oh, lui, il n'a pas dépensé 10 $ pour créer ça. Hein. Peut-être il a dépensé moins 2 $, peut-être le listing sur PancakeSwap, je ne sais pas combien ça coûte en général, si c'est un smart chain.
dollars, il dépense en grosso modo 5 000 dollars. Mais s'il investit bien dans le marketing, vous allez voir que les gens vont investir 10 dollars ici, 50 dollars ici, 10 dollars ici. Et lui, il ne va faire que vendre. Il va créer un pot de liquidité, il va faire que vendre ça. C'est-à-dire que c'est lui seul qui détient tout, quoi. Quand on crée un token là, celui qui a créé là, c'est lui qui a toute la totalité du token. Après, il répartit ça dans plusieurs portefeuilles. Ce n'est pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou comme l'Ethereum. Quand tu mines, tu gagnes. Quand tu dois participer, hein, au travail. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Trop, c'est trop. Les gens aiment trop rêver. Il y en a. C'est pourquoi quand il dit le Bitcoin a qu'à chuter. Pourquoi il dit le Bitcoin a qu'à chuter? Plus le Bitcoin chute, vous allez voir plus les Bitcoins sont en train de perdre leur valeur. Les gens avaient 10 000 dollars en shitcoin sans savoir que c'était shit parce que c'était la saison où tout montait. Et les gens pensaient que tout ce qui brille, c'est de l'or. Donc, si le Bitcoin revient tout à l'heure à 20 000 dollars là, vous allez voir qu'il y a certaines crypto-monnaies qui vont mourir. Certaines qui vont partir avec la caisse. Et c'est ça. Donc, ça va effacer, hein, les mauvaises qualités, les mauvaises crypto-monnaies pour laisser la place aux projets solides, qui sont consolidés, qui ont une équipe derrière, qui ont une innovation derrière. Donc, mes frères et sœurs, cette vidéo pour vous dire simplement de faire très attention. Très attention. Dans quel projet vous investissez? Vous allez voir, les Africains vendent seulement les shitcoins. Ils vendent seulement les shitcoins. Oui, faites très attention. Très attention. Donc, si tu as un ami, lui, son travail, c'est les shitcoins simplement. Alors, envoie-le cette vidéo-là. Envoie-le juste cette vidéo-là. Juste cette vidéo. Pour qu'il puisse comprendre que il va taper poteau bientôt. C'est clair? Donc, je vais m'arrêter ici sur cette vidéo. Je ne sais pas, ça fait combien de minutes déjà. Je vais m'arrêter sur cette partie de cette vidéo. Et je pense que cette vidéo va aider une personne. S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans les communautés de shitcoin pour que les gens sachent entrer et sortir. Dans les shitcoins, vous pouvez gagner assez d'argent si vous avez une stratégie d'entrée et de sortie. Mais la plupart des novices ont seulement des stratégies d'entrée et sont bloqués à la sortie. Donc faites beaucoup attention, très attention. Les shitcoins sont beaucoup utilisés par des gens pour vous influencer. Faites beaucoup attention, s'il vous plaît. Je viendrai de temps en temps vous rappeler certaines choses de cette façon sur ces chaînes. Cliquez pour gagner. Donnez j'aime à cette vidéo, partagez-la afin qu'elle puisse arriver à plusieurs personnes. Et n'hésitez pas, vous avez la possibilité d'être en partenariat maintenant avec nous pour parler de vos produits ou de vos services, etc. Envoie-nous juste un mail. À la prochaine vidéo. Ciao.